Eh bien bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui on va parler de la nouvelle série animée de Netflix, inspirée de la franchise Pacific Rim The Black. C'est le nom de la série animée Netflix qui vient de sortir aujourd'hui. Elle est composée de 7 épisodes de 20 à 25 minutes et c'est pas terrible, je vous en dis plus. Pour faire très court, eh bien, le problème de la série, hein, c'est évidemment, je pense que vous l'aurez remarqué, hein, pour ceux qui ont vu la série, eh bien, c'est l'histoire complètement aux fraises, hein, on n'y croit pas un seul instant, ces rues désertes, en fait, ce monde abandonné de nous humains, ça rend les choses complètement inhumaines, justement. Et du coup, bah, c'est totalement inintéressant. Ce qui faisait la force de Pacific Rim, c'était justement l'humain, enfin, nous humains, sans être sans être des robots tueurs de kaiju, bah, c'était justement les froids, le stress qu'on pouvait ressentir via la population du monde. Et bah, là, on ne le ressent pas du tout parce que bah, le monde est déserté. Les animations robots et kaiju qui sont pas très bien faites, hein, clairement, hein, c'est des espèces de ralentis chelous quand ils se battent, machin, ça fait des ralentis bizarres, machin, c'est très bizarre, c'est très... La mise en scène pour les combats est très bizarre, même si esthétiquement parlant, c'est très beau, ce qui se passe autour est très beau, les explosions sont très bien et j'en reviens un peu plus tard. Blagues et des blagues qui ne fonctionnent pas sur cet épisode, d'avoir quoi 5-6 blagues étant en mode ouais, ok, c'était vraiment une blague, ça, d'accord, c'est pas très drôle, hein. Donc des blagues qui ne fonctionnent pas, qui n'ont rien à faire là en fait, hein. Certaines cascades pas réalistes, ouais, parce qu'au bout d'un moment il y a une course-poursuite, hein, avec les deux personnages principaux, un kaiju, et du coup, bah, ils se mettent à courir. Les personnages principaux se mettent à courir. T'as l'impression ils courent dans le vide en fait. Il y a le truc qui défile, mais eux, t'as l'impression qu'ils avancent pas. C'est chelou en fait comme animation. Je peux pas vous montrer d'image pour des raisons de droit d'auteur, hormis la bande-annonce, puisque c'est mis sur YouTube et donc bah, c'est mis au public, hein. Évidemment, la série est faite au public, forcément, mais ceux qui payent, moi je paye. Donc, par respect pour Netflix, je ne montrerai pas d'image, malheureusement. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Copyrightement parlant. Les intrigues et cliffhanger à chaque fin d'épisode, elles sont complètement nulles à chier. À bout d'un moment, t'as un personnage qui meurt, d'une façon pas très sympathique, certes, mais t'es en mode, ouais, bah les couilles. Hein. Ce mec, ça fait 2 épisodes qu'on le voit. Bah, on s'en bat les couilles, quoi. Ça ne sert à rien, quoi. Donc bon, voilà, c'est vraiment pas très bien fait. Pas assez de kaiju et un personnage méchant pas très bien fait. Oui, ça aussi, il faut qu'on en parle. Les kaiju, ils sont où? Allô, les kaiju, vous êtes où, bande d'enfoirés? Vous ne servez à rien ou quoi? Vous dormez? Vous êtes en grève? Comment ça se passe? Bon, bref, c'est pas assez, voilà, il n'y a pas assez de scènes d'action, hormis l'épisode 7, où vraiment, là, ça, vraiment... Il y a 7 épisodes, hein, vraiment. Et là, vraiment, c'est un épisode où vraiment, y a du combat, etc. Là, c'est long, c'est chiant, le reste, il y a 3-4 combats, un peu dissimulés dans tous les épisodes, mais ça reste très très mauvais, quoi. Les points forts, visuel très beau avec des paysages magnifiques, forcément, bah, forcément le monde est peuplé de paysages magnifiques, etc. Et la série vous le montre et le fait très bien. Et deux personnages principaux, intrigants, intéressants et attachants. Attachants, j'aurais dû dire. Oui, c'est vrai que la gamine est un peu chiante. Surtout qu'il y a troisième personnage principal, entre guillemets, qui pêche dans une mare aux canards, dans un gros bocal, qui ne sert à rien. Ce personnage ne sert strictement à rien. Voilà, c'est pas du spoil, hein. Je vous donne aucun nom, je vous donne aucune indication. Donc il y a zéro spoil pour ma part. Voilà les amis, c'était la critique sur Pacific Rim The Black, la série animée inspirée de la franchise Pacific Rim. Nous avons eu un bon film, nous avons une suite merdique et nous avons une série d'animés merdique. Voilà, cet épisode de 20 à 25 minutes, c'est disponible sur Netflix. Si vous voulez votre propre avis, n'hésitez pas à donc aller checker la série. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo critique. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ciao tout le monde, c'était TheKittiesMan. Et on se revoit à une prochaine critique ou une prochaine vidéo Actu Ciné JV. Ciao tout le monde!